Bonjour les copains, aujourd'hui on va faire des petits gâteaux à la banane. Moi j'adore les petits gâteaux aux bananes, maman. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire les petits gâteaux à la banane? Il faut du sucre. Ouais, il faut 100 grammes de la farine. De sucre. Il faut du chocolat blanc. Ouais, ça le chocolat blanc on n'est pas obligé. Il faut du beurre. Ouais, quoi d'autre encore, Marius? De la banane, du sucre. Je crois que c'est de la levure. Oui, c'est de la levure. Du yaourt. Voilà. Et tout. Donc ça, ce sont les doses pour 2 bananes. Et comme nous, en fait, on a 4 bananes qui sont très mûres, on a mis le double des doses. Ok? Par quoi on doit commencer, Marius? Les bananes. C'est moi qui vais m'occuper de couper les bananes en chips de bananes. En rondelles. Ouais. Ça, c'est un bon exercice pour les petits parce que la banane, c'est mou, donc c'est assez facile à couper. Regarde bien dans quel sens est ton couteau. Donc, on va couper des rondelles de bananes. C'est une recette qui est très pratique parce que on utilise les bananes qui sont un petit peu trop mûres pour être mangées comme ça. J'ai fait comme ça. C'est pas grave, continue. Allez, fais des plus grosses tranches. Fais des plus grosses tranches. De toute façon, après, qu'est-ce qu'on va faire avec la banane, Marius? Je sais pas. Tu te rappelles plus? On va la mixer. On va l'écraser. On va l'écraser. Avec une fourchette. Et cette recette-là de gâteau, on l'a déjà faite ou pas? Oui, on l'a fait plein de fois parce que nous, on adore ça. Et c'est les petits gâteaux pourquoi? Pour... Je sais plus. Pour le goûter. C'est les petits gâteaux du goûter. Ouais. Et qu'est-ce que je fais avec? Mais aussi, des fois, on en mange le soir. Ouais, des fois, on en mange le matin. Midi, le soir. Et donc, je les mets où quand j'en fais trop? Tu les mets au congélateur. Et même une fois, je l'avais pris pour mon goûter à l'école. Souvent, je sors du congélateur le matin et comme ça, tu les emmènes à l'école. Ouais. Allez, vas-y, Marius, continue. Les fourchettes. Donc, nous, on a mis 4 bananes. Oui, je te vois, Marius, que tu as essayé de manger des petits bouts de banane. Oui. On se met pas les doigts dans la bouche quand on fait la cuisine, ni les doigts dans le nez. Donc, Marius, il est un peu contrarié parce qu'il a dû retourner encore se laver les mains parce qu'il avait mis ses doigts dans sa bouche. Alors, ça y est, on a notre belle purée de banane. On va la verser dans le saladier. Alors, ensuite, une fois qu'on a mis les bananes dans notre grand saladier, on ajoute le yaourt. Donc, comme nous, on fait la recette en double, on ajoute les 2 yaourts. Tu vas maintenant ajouter le sucre. D'accord. Lou, laisse-moi ajouter le sucre. Vas-y, tu peux y aller petit à petit, ouais. Vas-y, petit à petit quand même. Alors maintenant, on va ajouter... Du beurre, mais d'abord il faut le faire fondre. Ok, donc vas-y, verse le beurre fondu. Et Marius, il va mélanger. Allez, vas-y Marius, mélange. Alors maintenant que vous avez bien mélangé le beurre... On met la farine. Attends, on va d'abord mettre la levure. Oui. Je peux la mettre? Non, c'est Marius, vas-y Marius. Non, parce que moi j'ai envie de mettre la farine. Oui, mais mets la levure dans la farine alors. D'accord. Tout d'un coup? Oui, vas-y. Une fois qu'on a mis la levure dans la farine, on verse la farine et on mélange. Là, on peut la mettre directement dans un moule pour faire un grand gâteau. Mais nous, on préfère faire plein de petits gâteaux. Donc, on a ces super moules comme ça. Et en fait, au fond de chacun de ces moules, on va pouvoir ajouter ce qu'on veut, ce qu'on aime. Donc, voilà à quoi ressemblent nos petits moules. On a mis au fond du chocolat blanc... Des framboises surgelées et puis dans certains, des petits pignons de pin. Si on avait eu des noix, des noisettes ou des noix de pécan, on se serait régalé. Donc maintenant, on va mettre une petite cuillère de pâte à gâteau par-dessus dans chaque petit moule. Alors, voilà nos petits moules bien remplis avec la pâte dedans. On en a fait combien en tout, Lou? On en a fait 64. 64. Et on va les mettre au four à 165 degrés pendant une dizaine de minutes. On va bien les surveiller.
Alors, voilà à quoi ça ressemble au bout d'une douzaine de minutes. Et ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait d'habitude. Ouais, parce qu'on n'est pas très malin, on a oublié l'œuf. On a oublié les œufs. Donc, on va les manger quand même. Mais on vous garantit que cette recette, elle est super bonne quand on n'oublie pas les œufs. Donc, il faudra rajouter 3 œufs juste avant de mettre la farine. Et vous aurez des gâteaux beaucoup mieux que les nôtres, beaucoup plus réussis. Voilà, on espère que ça vous aura plu et que les vôtres seront meilleurs. À très bientôt! Alors voilà nos petits gâteaux sans les œufs. Bon, visiblement, ça n'a pas empêché Lou et Marius d'en manger déjà quelques-uns. Mmh. Ils sont comment alors nos gâteaux? Ils sont trop bons. Ils sont délicieux. Même sans œufs. Bon, ben en tout cas, c'est sûr que les vôtres, ils seront meilleurs si vous n'oubliez pas les œufs. Donc, on vous dit à bientôt! Vous dites pas au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir.